Bon, on y est, on est dans la forêt maudite les amis, on est dans la forêt hantée, voilà, là il va bientôt faire nuit et on doit absolument abandonner la poupée maudite. Regardez, on l'a ramenée avec nous. Elle est là, cette poupée là. Vous ne m'abandonnerez jamais. Si, si, on va t'abandonner ici. On va bien t'abandonner ici. Bon, les amis, vous savez qui c'est cette poupée? C'est la poupée maudite. Ça fait des semaines qu'elle est chez nous. Ça fait même bientôt 2 ans, en vrai, qu'elle est chez nous. À chaque fois, on essaye de l'abandonner. On l'a déjà emmenée dans une déchetterie. On l'a mise dans la poubelle. On a essayé de la découper en plusieurs morceaux. Et à chaque fois, elle revient chez nous pour nous gâcher la vie. Elle nous réveille en pleine nuit. Et elle nous parle et elle fait ses petits... Esteban, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Je te promets d'être gentil. On fait quoi? On l'abandonne. Allez, bon, c'est parti. Les amis, on va devoir aller par là comme ça. Par là, on sait qu'il y a un trou qui fait à peu près 1 km de profondeur. C'est un trou, à chaque fois que quelqu'un tombe dedans ou quand on jette des objets dedans, ils ne reviennent jamais. Donc c'est pour ça qu'on vient dans cette forêt maudite. Même si on sait qu'il se passe énormément de choses dedans, qu'il y a la sorcière qui peut nous jeter des sorts, qu'on peut tomber sur des loups, etc. Mais c'est le seul endroit où on peut abandonner cette poupée et où on peut être sûr qu'elle ne reviendra jamais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas, je ne veux pas, j'ai peur. Ne me laissez pas la nuit ici. Eh oh, on s'en fiche. Quand tu venais nous embêter la nuit, hein, tu te posais pas de questions. Et ben maintenant, c'est toi qui vas rester toutes les nuits ici. Allez, mets-la dans le sac. Bien, et on jettera le sac, on jettera tout avec. Oh. Bon allez, on doit passer par... Oh, c'est quoi ça? Mais vous êtes qui? Alors, vous êtes... Mais vous êtes qui? Je suis, vous justement êtes... Vous êtes qui? Si vous voulez passer, il faudra deviner qui mais je suis. C'est l'homme... C'est l'homme araignée. Mais oui. Mais qu'est-ce que tu fais là, l'homme araignée? Mais il fait flipper, il fait trop peur. Il sait parler en plus maintenant. Attends, attends, mais laissez-nous passer, arrêtez de poser des questions. Non, pas du tout, il me faut quelque chose en compensation pour passer. Attends, comment ça, il faut payer quelque chose pour passer? Oui. Mais non, à mon avis, on peut passer par un autre chemin. Non, il n'y a pas d'autre chemin, c'est le seul chemin disponible. Comment ça, c'est le seul chemin disponible? Ah oui, regardez les amis, autour c'est de l'eau. On peut passer que par là comme ça. Ouais. Bon, laissez-nous passer s'il vous plaît. Non, 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 une condition, il faut me Attendez, donner quelque chose. Là c'est l'eau. Là-bas c'est l'eau aussi. Là-bas c'est l'eau aussi. Ouais. Et en plus, on n'a pas le choix. Il faut qu'on abandonne la poupée maintenant. Faut qu'on jette la poupée. Bon, écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Reste là, toi, reste là. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Laissez-nous. Reste, Alors, je peux pas tomber dans l'eau. Ah, tu veux te mettre dans l'eau? Viens, Valentin, viens, Valentin. Écoute, écoute. L'heure est grave. L'heure est grave, par contre, parce qu'on n'a plus qu'une heure avant la tombée de la nuit. Et moi, pour moi, c'est hors de question de rester ici toute la nuit. Parce que la nuit, ici, il y a des loups-garous, il y a des araignées géantes. Il y a la sorcière aussi. Il y a la sorcière, il y a plein de trucs ultra méchants qui peuvent nous attraper, nous mordre, nous. Enfin, bref, du coup, il faut qu'on lui donne quelque chose. Bah, bon, j'ai une idée. Oui, t'as ta sacoche, vas-y, donne-lui. Non, pas ma sacoche. Donne-lui ton portefeuille. La poupée, on lui donne. T'as de l'argent dans ton portefeuille? Mais non, j'ai rien. Mais on peut pas lui donner la poupée. La poupée, il faut qu'on s'en débarrasse dans le trou géant. Sinon, elle va revenir si on Mais lui toi, donne. T'as une sacoche. Regardez, donne-lui ta sacoche. Les amis, reste là-bas comme ça, sans bouger. Je donne mon manteau. Non, pas ton manteau, donne ton téléphone. Si. Ton téléphone. Non, pas mon téléphone. Si, donne ton téléphone. Donne ton téléphone. D'accord. Allez, bon, les amis, tu vas donner son téléphone. Je t'en rachète rien. Moi, je peux pas donner le mien. Il y a le GPS. On saura même plus rentrer chez nous. La poupée m'intéresse. J'ai entendu que vous avez une poupée maudite. Oui, oui. Une poupée maudite. Oui, on a ça, mais on peut pas vous la donner. Sinon, elle va vous gâcher la vie, hein. Non, non, non. Montrez-le-moi, montrez-le-moi. Elle m'intéresse, elle m'intéresse. Non, 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 non. Si, si, tu viens avec moi. Ne fais pas ça. Bah, et la poupée. Bah, malheureusement, j'ai pas trop le choix. On est obligé de passer par là. Pour, alors, si vous voulez vraiment passer, vous me la donnez. Pas de soucis. Tu préfères pas un téléphone? C'est bien un téléphone. Pourquoi tu tiens tant? Mais parce qu'il faut qu'on la jette. Il faut qu'on jette la poupée dans le trou géant. Okay. Sinon, elle va revenir chez nous. Ok, on devait la manipuler. Esteban, ne t'inquiète pas, je ne reviendrai plus. Allez, dis au revoir. Tu reviendras. Dis au revoir à tes amis. Tu vas profiter pour t'échapper. Allez, on échange. Mon téléphone contre la poupée. Un téléphone contre la poupée. Ça ne m'intéresse pas. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux la manipuler. Un deuxième téléphone. Non, non, pas du tout. Un deuxième téléphone, allez. Un deuxième téléphone? Oui. Intéressant quand même. Bon, allez, remets la poupée dans le sac et on te donne les téléphones. Ouais. Allez, deux téléphones. Non, je veux rester avec lui. Non, tu resteras pas avec lui. Bon, allez. Tant pis, je reviendrai. Donne-lui les téléphones, Valentin. J'irai te prendre discrètement. Allez, prenez les téléphones.
Maintenant, vous devez passer, hein. Oui, le deuxième. Oui, oui, le deuxième, il est là. Allez, tiens. Voilà. Bon, on peut passer maintenant ? Bon, c'est bon. Allez, vous pouvez passer. Ouais, mais s'il fait ça à tous les visiteurs, il doit être ultra riche. Bah oui. Allez. Bon, allez, allez. On s'en fiche. Oh, regardez, on va regardez le chemin, les amis, comment il est étroit. Faites attention, il y a des pièges. Ah là là, oui, il y a des pièges, je vois ça. À tout moment, on tombe dans l'eau. Et en plus, l'eau de la forêt maudite, c'est pas une eau normale. Si vous touchez cette eau-là, bah vous perdez votre main, carrément. Ou vous tombez ultra malade. Bon, écoute, maintenant, on n'a plus que quelques minutes pour trouver le trou, jeter la poupée et revenir chez nous. Oh, j'y pense. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça tombe au retour, il va vouloir autre chose. Oh non. Il va vouloir qu'on lui donne autre chose. On n'a plus de téléphone, on peut pas échanger. Bon, écoutez, les amis, on va trouver le trou géant. J'espère qu'on va le trouver rapidement. Et on verra bien ce qui va se passer. C'est la giga, méga catastrophe. Regardez, je pense que vous voyez pas bien, mais ils ont rebouché le trou. Oh là là. Mais comment on va faire ? Je sais pas. Regardez, les amis, ils ont mis plein de feuilles sur le trou. C'était ici le trou géant. On avait déjà jeté un coffre-fort ici avec des objets maudits. Ah, c'est pas... Trop bien. Je ne vais pas être jeté dans le trou. Je vais rester avec vous. Non, tu vas pas rester avec nous. D'ailleurs, ah ben, attends, j'ai une idée. On va la donner à l'autre comme on est obligé de repasser par lui. Allez, eh ben la poupée, tu vas pas être déçu. Bon. Ah, allez, c'est parti. On retourne là-bas. Ah, non. Vous êtes encore là ? Oui, bah on veut passer sur le pont. Il faudra encore payer. Ah, faudra encore payer ? Oui. Bon, écoute, cette fois, on veut bien te donner la poupée. Mais ce coup, c'est cadeau. Voilà. Voilà. Ah, tenez. Voilà, la poupée. Je m'en doutais. Et en plus, j'ai récupéré le téléphone. Oui. Ah, tu vas rester. On a même plus de téléphone et... Bon, allez. On peut passer du coup, c'est bon ? Allez-y. On peut passer tranquillement. Vous ne la reverrez plus jamais. Ah oui, on ne la reverra plus jamais. Ah, ça, c'est bien. Ah oui, on ne la reverra plus jamais. Carrément. Ah oui, bah tant mieux. Non. Sauf si, bien sûr, elle a des pouvoirs. Ouais, bon, allez. Bon. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, à la revoyura plus et ne reviens plus chez nous, l'homme araignée. Parce que l'homme araignée, il est déjà venu chez nous. Et, il marche comme une araignée et ensuite, il nous gâche la vie, il nous fait peur pendant la nuit. Bon, allez, on va passer. Hop. Attends. Mais, c'est une blague. J'arrive plus à avancer. Tu peux pas passer ? On dirait qu'il y a un mur invisible. Attendez. Eh oh ! C'est vrai ? J'arrive plus à... Attends, j'arrive pas à toucher ta main. Moi non plus. J'arrive pas à toucher ta main. C'est pas possible. Et peut-être parce que moi, je vais rien donner. Ça doit être ça. Mais j'ai plus rien à lui donner. Eh oh, l'homme araignée, là ! Dépêche-toi de venir ici. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais j'ai l'impression que je tape sur un mur, mais y a rien. Eh oh, l'homme araignée, là ! Viens ici, dépêche-toi. Allez, viens. Non. Mais viens. Oh. J'arrive pas à passer le mur. Pourquoi il y a un mur invisible en plein milieu du passage ? C'est normal. Pourquoi ? Vous n'avez pas donné le mot de passe. Mais non, mais arrête, là j'ai envie de partir, c'est bientôt la nuit. Allez, comment c'est je fais pour passer ? C'est quoi le mot de passe ? Le mot de passe, c'est araignée. Araignée ? Araignée touffue. Okay. Ah mais fais attention à cette poupée. Hein. Esteban, je vais revenir. Ah non, ne reviens pas. Araignée quoi ? Araignée touffue. Bon allez. Moi j'ai pas le temps, l'homme araignée il se moque de moi. Bon allez, là je suis sur le pont. Araignée touffue. Ah bah c'est bon, je peux passer. Ah, enfin. Bon, écoute, j'espère qu'elle va pas revenir cette poupée maudite. Parce que là, elle avait l'air de se moquer de moi. À mon avis, elle va apparaître. Elle va disparaître d'ici et réapparaître. Sérieux, bon, non, mais j'ai plus de téléphone à cause de oui, ça. Oui, bah moi non plus, j'ai plus de téléphone, je sais même pas comment on va rentrer à la voiture. Et elle va revenir quand même, du coup. Enfin bref, bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, en tout cas, ça m'a plu de la faire. On va s'arrêter là, on va essayer de rentrer chez nous avant qu'il fasse noir. Et surtout, on espère que les deux, on va plus jamais les revoir. Allez, à la prochaine. Ciao, allez voir une autre vidéo sur la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. À la prochaine, ciao.